Donc je suis venue à la prière, on a prié, c'était vers les 7h. Il dit, ah Dieu, donc je suis venue à la rivière dans ma vie, je vais partir comme ça. On dit, vous êtes le papa, donc il y a une personne qui devait accoucher. Mais c'est l'accouchement à l'air, elle n'a pas resté, mais l'enfant allait rester. Mais c'est la grâce de Dieu pour venir nous prier pour nous. Moi j'étais là, juste quand personne ne s'est levé. Il dit, ah, quand il y a ma soeur qui est venue, elle est venue pour partir, donc c'est la fin, je suis venue. Et il a expliqué à papa. Papa a dit, lui, effectivement, mais c'est vrai. Que si elle va au village pour accoucher, on va lui dire qu'elle va au village pour accoucher. Il dit, si elle va pas accoucher, qu'elle ne va pas venir. On va trouver le nom, elle ne va pas venir. Il m'a dit, non, que il a fait le coup, que ses femmes l'ont dit, oui. On va avancer, elle m'a appelé pour lui, c'était le papa. Il dit, de la tête, que c'est ça, elle est venue. Papa a prié pour elle, elle est partie. Elle est revenue, on va prier, on va parler pour que ma fille était quelqu'un qui va accoucher. Effectivement, comme Dieu est Dieu, le Dieu, le Dieu, non, papa, Dieu, nous prions, il est vivant, il est puissant. Elle a accouché sans problème. Elle est là, enfin, elle est là. Amen. J'avais un petit frère qui a été malade. Il a eu le mot de Dieu. Il a failli me devenir un peu. Je suis venu voir papa. Il a prié pour lui. Il a été. Il a appelé ma mère. J'ai voulu abandonner la formation.
Parce que j'ai estimé que celle pour qui j'ai souffert, je ne vais pas partir comme ça, sans manger quelque chose. Mais avec le soutien de notre Dieu, le Dieu des papas, avec tout ce que j'ai pu avoir comme conseil, j'ai remonté la pente et j'ai continué. Mais ce n'est pas fini. Vous savez, c'est partout, c'est comme une initiation. C'est quand vous finissez, il faut que vos maîtres vous consacrent. Dites que maintenant vous êtes prêts à aller sur le terrain pour pouvoir travailler. Et là encore, il y avait des difficultés. Il fallait pouvoir payer une dose pour pas moins de 300 000 francs. Où est-ce que je vais avoir l'argent? Là encore, Dieu a fait que les portes se sont ouvertes pour moi. Mais ce n'est pas encore fini. En tout moment, vous pouvez être attiré par quelque chose. On a un ami qui a fait 2 jours de cours, qui a fait 12 mois de maladie et qui est décédé. Donc à tout moment, on sent les attaques physiques comme spirituelles. Mais à chaque fois, je demande à papa, mais mon fils, ça va aller. Et j'ai persévéré, si bien que papa, grâce à mon Dieu, grâce au Dieu de cette église, qui est le Dieu véritable, depuis le 6 août, avant-hier, vendredi, jeudi, jeudi, Dieu a permis que je puisse remercier la cause des magistrats. Non, il n'y a pas de mouillette. Ah, mais il y a pas de mouillette.
On va donner des chaises à la prière dans l'église. Bon, comment va-t-il? C'est la phase de matin là. Ouais. Ça va? Ça va. Va parler. Non, les gens espèrent qu'on fait les yeux. C'est ça, c'est ça. Avec lui, là, c'est même pas bon. Même. C'est pas bon. Oh. Voilà pourquoi maintenant les sabbatis, là, les gars, les petits bruits, pour. En plusieurs, avec ses chercheurs. Voilà, c'est quoi, c'est pas faux. C'est dans l'église, ça, c'est pas vrai. Tout ça, là, c'est la marmaille, c'est la mère. Ouais, c'est pas vrai. Oh. Ils avaient dit ça, ils ont rien. Il y a du prophète à un cadeau. Dieu, dans la Bible, il y a vu Dieu à la tête à la vie. Non, je ne pas. On est dans la vie, on est super. On est dans la vie, en tant que Dieu a prêté. Le jour de la vie, c'est la vie. C'est la vie qui se rapporte. Je ne sais pas. Mais tu ne vois pas la même forme. La même forme. Oui. Ça va. 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 Ça au kiosque, pour que le kiosque n'a pas été arrêté, il est juste derrière la voiture. Après, tu as vu, c'est dans. Oh, c'est pas faux. Qu'est-ce que tu veux? Le dimanche, on était à l'église. Il y a eu une annonce qui m'a annoncé. Il n'y a pas ma sœur qui a fait. Tout ce que tu vas à l'église, il n'y a pas au ménage là-bas, mais tu forces d'essayer. Hé, toi, tu as fait l'information là. Hé, on ne peut pas nous recevoir. Parlez-moi, monsieur. Oui. C'est là. Attends, si tu veux pas, ça me voit. Tu me vois. Hé. Tu me vois. Écris à ton papa. Pasteur! Chant de ton papa, tu n'as pas travaillé là-bas. C'est l'un de ton papa, les gens qui travaillent. Ah, mais il est là, on se voit que l'on est là. Oh, ton papa, 10 ans, tu n'as pas marié. Écris, écris, il y a quoi? Ça va aller, il n'y a pas de chasse. C'est le bon, ma femme. Ma femme. Elle n'a pas pu te préparer la vie de ton sort. Ça, ça t'a loupé, ce papa. Ça t'a loupé, ce papa. Il y a un propos qui est très important. Les commandos, les serviteurs.
Ça met des essences. Quand elle met des essences, il vient avec, il veut, il voit ce qu'il veut. Bon, comme on peut voir les commandos, il y a des vrais comme nous. Soyez là, il y a des vrais. Quand il parle des commandos, il y a des vrais. Mais les commandos, là, qui viennent dans ce salon, c'est un déant, ça se fait au kiosque, on fait ce qu'il y a à Dieu. Donc Dieu est allé à l'église. Il vient même à l'église, il vient même à l'église. Vous venez dans le temps sans lui, il vient pas. Yeah.
Je vais dire d'aller aller.
Dieu. Amen. Voilà les deux conditions qui nous amènent à la maison du Seigneur. On vient de la maison du Seigneur quand on est chargé, quand on est fatigué. Je ne sais pas ce qui te charge, je ne sais pas ce qui te fatigue, mais ce que je sais, la parole de Dieu me dit, il envoya sa parole et les guérit. Le mal qui t'a envoyé ici n'a pas t'envoyé. L'éternité à Josué. Aujourd'hui, fils de nom, Josué, tu
héritage. Et Josué se couchait avec ses pères. Chaque leader, chaque meneur a une vision. La vision que j'ai pour toi, tu me regardes et tu m'écoutes. Je veux t'amener dans ton héritage. Et je sais que le Seigneur est là. Qui est ta main? Qui est le plus fort à main? J'ai un rêve. Et le rêve que j'ai, il faut que je t'amène dans ton héritage. De traverser le Jourdain. En traversant le Jourdain,
maîtrise. Bon, ok. Comme je ne vous maîtrise pas. Éternel, il ne veut pas t'adresser. Dieu dit, ok, il y a une vengeance dans mon cœur. Va avec eux maintenant. Faites le tour du chemin. En faisant le tour, le reste de mon Dieu, tous les vieillards vont mourir. Sauf Josué et Caleb, les enfants de Dieu viennent, qui vont avoir la vision et qui vont atteindre la promesse. Malheureusement, c'est ce qui a fait tuer le désert. Tu entends normal. Quand tu es un homme et une femme de la promesse, tu dois écouter la voix de Dieu. Si tu es dit, passe par là, même s'il y a un lion, il va te donner le corps que Daniel avait, où le lion n'a pas mangé. Écoute-moi très bien. Le rêve que j'ai ce matin, je vais faire entrer chacun dans sa promesse. Mes enfants,
côté. Et il n'a pas, on l'emmène à l'école, il va à la maîtrise, il fait l'université. Écoute-moi très bien, moi, docteur, où je ne suis pas arrivé, je te condamne à arriver là-bas ce matin. Où je ne suis pas arrivé, je te condamne à arriver là-bas ce matin. Je ne suis pas satisfait. Non, je ne suis pas satisfait. Mais par contre, je suis très content de vous donner un témoignage comme ce que j'ai écouté ce matin. Ah, je me souviens quand mon fils venait ici. Il dit, mon fils, tu as déjà fléché deux fois, tu n'es pas changé. Il dit, non, c'est ça que je veux. Je vais faire tout sur les prières. Que tu vas éviter.
la colère d'un homme de Dieu. Amen. Les mauvaises vibrations d'un homme de Dieu. C'est lui-même les personnes à côté de moi, je sais qu'il n'y a rien de bon. Ça, je sais. Façon, je l'ai regardé. Quand je suis resté à l'arrière, quand l'homme a pris quelque chose, il se couche comme un enfant. Il se couche. Quand il a quelque chose, il veut maintenant se lever. Mais toi, te lever, tu vas arriver à quelle taille. Voilà pourquoi j'ai dit au collègue, j'ai donné une conférence en disant, n'étais jamais à ton église, payer une voiture pour moi. N'étais jamais à ton église, payer une maison pour moi. Mais va constater que ta nouvelle voiture sans l'accord. Oh!
C'est pas raisonnable cette pêche. Tu veux que ta mort soit dans la française? Bon, avançons, on a dépassé ça. Avançons. Tu veux que je te dise encore qu'un adultère n'est pas bon? Comme tu sais. Tu veux que je te dise que chercher la soeur n'est pas bien? Comme tu sais. Tu veux que je te dise que mentir, c'est pas bon? Comme tu sais. Et les choses que l'Église a dépassées. Laisse-nous sa passion, ma sœur, qu'il soit de nouveau chrétien, et laisse soit à Daniel, qu'il donne tous les nouveaux chrétiens. Mais nous avançons. La plosive de Jéricho est tellement fortifiée qu'on ne peut rien faire.
mais je rigole. La seule chose, faites-moi confiance. Il y a des combats où Dieu dit, tu n'as pas de combat, tu n'as rien à dire. Fais-moi confiance seulement. Par moi, je ne supporte pas ça aussi. Dieu dit, fais-moi confiance. Donc moi, je n'ai rien dit. Tais-toi, fais une confiance seulement. Donc si mon collègue l'a fait, moi je ne réponds pas. Quoi. Non, non, si je ne réponds pas, il va dire si fait. Tais-toi, fais une confiance seulement. Dieu dit l'enfant d'Israël, désire-vous ne pas de moi. Faites le tour de la vie cette fois. Mon Dieu, je combats pour vous. Je suis là-bas. Si vous partez, je vous envoie là-bas quoi. Mais laissez-moi moi-même, je vais faire. Ah, la vie chrétienne est mystère. Il y a des choses où on n'a pas à combattre, mais laissons Dieu lui le faire. En garde ton nom, tu vas prendre ton billet. La parole à se défendre. Dans le téléphone, il en vient à parler. Même en voiture. Hé, tu as vu, tu as connu ce qu'il a fait. Laisse-les faire. Il ne faut pas poursuivre ton nom pour purifier ton nom. Mais laisse Dieu faire. Pendant ce soir, on n'a pas compris. Il y a des combats où tu es dit, tais-toi. On ne supporte pas nous-mêmes ces terres. Si je me tais, on va dire non. On va dire je suis fait. Non. Il faut que tu sois fait par moi pour que ton Dieu soit fort. Voilà le premier tour. J'ai reconnu non. Provocation n'est pas les amis, on peut entrer seulement. Quel est le chaos qui va entrer? On va finir ça. On le plan de guerre est différent. On a un Dieu où il y a le plan de guerre. Il n'a pas le même plan de guerre. Dieu n'a pas eu honte en Égypte de devenir serpent. Et Dieu est de devenir serpent. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte de devenir serpent. Quand Moïse a déposé sa carte est devenu serpent. C'est Dieu qui est devenu serpent. On ne prend pas ton Dieu pour ton camarade. Dieu n'a pas eu honte en Égypte de devenir le sang. Le sang envahit tous les marigots. C'est-à-dire Dieu n'a pas eu honte. Dieu n'a pas eu honte aussi de frapper les chiens de la lèpre. On dit les purs, on dit les saints, on dit les deux dieux qui guérit, mais n'a pas eu honte de devenir la lèpre. Tu es un Dieu trop redoutable que tu ne connais pas. Tu viens de comme tu viens avec un étranger. Mais si tu l'avais connu, il y a des choses que tu allais avoir rapidement. Tu n'allais même pas crier. Dieu n'a pas eu honte de devenir grenier. Grenier, en Égypte. Il est venu grenier partout. Tout le monde le regarde, il y a grenier partout. C'est Dieu qui n'a pas eu honte de devenir grenier. Ton Dieu n'aura pas honte d'agir parmi tes adversaires. Il n'aura pas honte. Il va agir. Dieu dit garde le silence. Moi-même, je vais combattre. Mais la seule chose qu'il vous demande, faites le tour en chantant. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne, quand même, on ne voit pas Dieu, mais on a les convictions que Dieu nous donne. Marche selon ta conviction. C'est ta conviction qui fait ça. Il faut le faire. Tu es un Dieu multidimensionnel. Il n'a pas honte de lui seulement. Un serpent n'est pas bon. Il n'a même pas honte. Et ce qui m'a étonné, il est devenu serpent, il est là. Pharaon est le magicien. Et quand les magiciens sont venus, ils ont produit aussi les serpents. Dieu n'a pas eu honte d'être avalé, avalé, avalé. Et il dit, Moïse, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Ton Dieu va intervenir pour toi. Où on t'a méprisé. Ton Dieu va t'élever. Où on n'a pas cru en toi. Ton Dieu va t'élever. Ah, notre Dieu, bisous à toi. Il n'a pas honte. Il est devenu serpent. Non, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte un peu même. Il n'a même pas honte à
c'est comme votre camarade. Vous ne pouvez même pas. C'est le son de guerre depuis l'enfance, mais seulement mon Dieu. Chantez autour de la vie seulement. Chantez, chantez. Une fois, chantez. Sept fois le tour. Sept, ils ont bouclé la semaine. Voilà que, maintenant Jésus dit, voilà ce qu'on a fait. Sonnez les trompettes. Ils ont sonné les trompettes. Après, Jésus dit, maintenant c'est le temps, c'est vrai. Il y a des choses que tu as besoin d'écarter dans ton cœur. Dieu n'est pas souvent dans la bavardage. Explication, toi dis, moi dis, non, par moment Dieu n'est pas dans ça, mais Dieu est souvent dans les murmures. Ma société, Seigneur, exauce-moi. Ma société, Seigneur, exauce-moi. Et puis un matin, Dieu dit maintenant, sonnez la trompette, la société est sortie du sol. En une transition comme ça. Tais-toi à partir d'aujourd'hui. Même les recettes initiées. Lui qui t'a initié va t'enculer toute la nuit. Si tu n'as pas en honte, va dire garçon et sortir avec toi. Maintenant, quand ils ont fini de murmurer, viens de maintenant sonner la trompette. C'est suprême maintenant, c'est lui. Si vous avez vu que Joseph a eu beaucoup de problèmes, il parlait beaucoup. S'il laissait ses rêves dans son cœur, il n'allait pas souffrir comme ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses, c'est le silence. Dieu lui-même est resté silencieux. 430 ans, il parlait pas grand. Mais quand Josué a sonné la trompette, la Bible dit, les murets de Jéricho ont été ébranlés. Et Dieu lui a envoyé les anges, tuer les anges de Jéricho. Le peuple n'a pas combattu. Aujourd'hui, cette semaine, ton combat sera silencieux. Ton combat sera silencieux. Ton combat sera silencieux. Ton combat sera silencieux.
dans cette église. Car les anciennes choses sont passées. Dieu fait toutes choses nouvelles maintenant. Amen. Ton foyer a été renouvelé. Ton travail, on ne te considère pas. Tu vas t'appeler le patron. Tu ne connais pas de l'ordre. Tu vas aller à 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 l'ordre. Tu t'arrêtes pas de tes chômeurs. Tu vas avoir du travail. Il est ici, il sait jusqu'à minuit là. C'est comme si ils n'arrêtent pas. Depuis plus d'une semaine, je veux prier pour elle. Viens vite.
il faut que tu pardonnes. Je n'ai pas dit, il faut que lui pardonne. Mais il faut que toi tu pardonnes. Si je ne pardonne pas, ça ne peut pas marcher. Tu es un homme de métier. Tu fais la soudure. Quand l'argent a dans ta main, ça ne sert pas pour rien. C'est ça qui fait ça. C'est ce lien-là qui te tient. Voilà pourquoi ta affaire ne marche pas. Regarde une année. Après le ciel, il y a une porte qui a ouvert dans ton cœur. Il y a un enfant qui est venu chez toi. Il a pratiqué la sorcellerie. Et tout le village est au courant qu'un enfant a touché quelque chose en toi. Tu te rappelles? C'est que tu peux faire maintenant. C'est de prendre un ton numéro, de l'appeler. Et il faut que tu accordes, que tu lui demandes pardon. Tu avais un bon contrat. Mais il y a une parade autour du contrat. Donc, t'as arraché. C'est pourquoi t'as arraché. C'est ton frère qui a fait pour arracher. Tant que tu n'as pas pardonné et laissé tout tomber, tu ne peux pas avoir une bonne vie chrétienne. Laisse tout tomber. Où est ta femme? Mais si tu paroles, si tu dis tout ce qu'il y a, si tu ne fais plus,
tu as payé voiture, tu as payé ta propre maison, et tu seras à l'aise, et tu pourras entrer dans ton héritage. Que l'Éternel purifie ta face. Que l'Éternel purifie ta face. Quand tu vas pardonner à ton frère, tu seras blanc, blanc, plus que la neige. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a dit ça avec lui, je suis passé. Seulement quand j'ai prié pour ce canari, j'ai vu un serpent noir qui s'intéressait contre moi. Mais ce qui m'a plu, l'ange de l'Éternel, qui m'a toujours délivré, a découpé ce serpent. Jesus.
ce fut encore dans mon esprit. Dieu me fait réduire ma conscience. La chair est ici. Tu te souviens où je prophétisais si gênant? Dieu m'a dit, toi, monsieur, tu as gagné, tu as gagné. J'ai gagné à tous ceux qui m'entourent, c'est une vraie personne, mais j'ai gagné ici. C'est depuis ce temps que j'ai été dans cette église. Écris ton histoire dans l'histoire du ministère que Dieu m'a apporté. Il ne pourra rien te faire. L'enfant qui reste, c'est un garçon. Et tu sauras que l'Éternel est dans ma bouche. Shalom. L'élévation marchera avec toi. Tu ne t'as fait viser à part. Amen. J'ai l'élévation à la poêle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Où elle est? Elle a très mal à la gorge. Où ici? Bon, coucou à la main. Où elle est? Même si elle est enceinte, 6, est-ce qu'il fait de moi un prophète? Où elle est? Où elle est?
Je veux prier pour elle. J'ai vu une force lutter l'enfant qui est dans son ventre avec elle. Où elle est. Je veux prier pour elle. C'est mon 8 mois. Parce que je l'ai vu la grossesse, 7 mois, et 8 mois s'est recomposé, 7 mois qui s'est recomposé, je veux prier pour elle. Où elle est? Son mari est professeur. Où elle est? Je veux prier pour elle. Elle sent son esprit.
purifie tes yeux. L'Éternel purifie tes yeux. À partir de ce dimanche, l'œil s'ouvre maintenant. Car l'autre est plus ouvert que l'autre. Mais aujourd'hui même, l'œil s'ouvre maintenant à ma parole de prophète. L'œil s'ouvre maintenant à ma parole de prophète. L'œil s'ouvre maintenant à ma parole de prophète. C'est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Je vois l'ange de la royauté. Commando. Commando. Il y a des jeunes filles ici. Ceux qui les appellent ton nom vont les appeler bientôt partis. Commando. Dieu a été ici. Dieu va travailler avec les hommes. Dieu entre en action avec ta famille par ton canal. Dieu ne connaît pas ta famille, mais c'est toi qui connais. L'or sera dans ta vie. L'argent sera dans ta vie. Dieu bénira tes mains. Dieu bénira tes mains. Dieu bénira tes mains. Prends maintenant l'onction des grandeurs. Commando, il y a la grandeur ici. 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 Je vois la grandeur ici. Je vois la prospérité ici. Je vois la puissance de la richesse ici. Ici, Dieu travaillera avec toi. Avec toi. Avec toi. Nous sommes dans la maman. Aïta
Répands-toi.